Salut tout le monde, on va parler de NCT 127 avec Sticker. Je me sens mieux comme ça. Comment allez-vous? Aujourd'hui, on va parler donc de NCT, comme j'ai dit dans l'intro. Je sais pas trop ce que ça va donner, j'ai pas vu teaser, enfin j'ai juste vu des teasers photos, mais bon, après les teasers photos de la SM, souvent c'est n'importe quoi, ça n'a rien à voir avec la chanson finale. NCT, c'est un groupe dont j'aime le principe, entre guillemets, parce que j'aime bien que, vu que ce soit un groupe masculin de la SM et qu'ils savent que le groupe va marcher parce que le groupe va avoir beaucoup de fans, ils n'hésitent pas à faire des sons qui soient un peu expérimentaux, etc. C'est-à-dire qu'il y a quand même une prise de risque et ils essayent vraiment de proposer des sons qui sont différents, que t'as pas vraiment encore entendu auparavant, qui sont, chaque son est spécial, quoi. Plus ou moins, pas tous, mais voilà, la majorité des sons sont spéciaux. Et du coup, j'aime bien de me dire que c'est pas parce que c'est une grosse agence, etc., qu'elle va faire des trucs très calibrés, etc., qu'elle va quand même essayer de faire des choses un peu intéressantes. Maintenant, qui veut dire expérimental, ça veut dire que tu expérimentes, et comme dans toute expérience, parfois il y a des expériences ratées, et parfois il y a des expériences réussies. mes chansons préférées de NCT, malheureusement, c'est pas les chansons les plus expérimentales. Mes chansons préférées, c'est Highway to Heaven, c'est Touch, ou c'est Boom pour NCT Dream. C'est des chansons qui sont assez simples finalement, qui ont des constructions simples avec des sons simples. Mais je trouve que c'est les meilleures, tout simplement. Je trouve qu'elles sont super cool. Et Superhuman aussi. J'oublie toujours Superhuman, mais Superhuman c'est vraiment super bop. Bref, on va faire la réaction à Sticker. Si t'adores le groupe et si t'aimes pas qu'on le critique, quitte cette vidéo parce que moi j'aime bien donner mon avis. Et j'aime bien être sincère avec les gens, tout simplement, j'aime pas mentir. Je t'invite à lire aussi ce que j'ai écrit dans le commentaire épinglé, ma manière de fonctionner, de faire mes vidéos, et ça permet de mieux comprendre comment je fonctionne. Je pense que c'est quand même plutôt cool que tu lis ça, comme ça t'es pas trop surpris ou surprise. Et sinon, n'oublie pas de voter au K-Chart, le classement dans lequel tu peux voter pour tes chansons de tes artistes préférés. Pour voter, tu as le lien en description de cette vidéo, pour un cas ensemble, je le mets dans le post épinglé. Là. C'est parti! Ça rentre pas. Trop grosse tête. 3, 2, 1. C'est parti. Mes oreilles. Hein. Pourquoi ils sont toujours tout nus? J'aime bien le côté cowboy du turfu. Je suis sûr d'avoir déjà entendu, enfin le sample là en fond, il est hyper connu. J'arrive pas à me rappeler d'où ça vient, mais 100% je l'ai entendu. J'espère que dans la Corée ils vont mettre des pas de country là, ce serait trop drôle. Ça me fait penser à un mélange entre du EXO et du Super Junior. Ça sonne comme un titre SM pour un groupe masculin, tout simplement. Sauf Shiny. Ce Shiny sont un peu à part. J'aime bien les couleurs utilisées. Vraiment, les motifs et tout, ils sont grave cool. Genre là, rien que le fond qu'il y a derrière lui, là, autour des chaussures. Cette espèce de... C'est pas du marbré, mais on dirait un peu des taches de sang. Enfin, je sais pas comment... Je trouve ça grave cool. Et il y a un petit chat! Ok, j'adore parce qu'il y a un petit chat. Cette partie-là, elle sort un peu du délire, je trouve. Avec cette espèce de corde-là. Franchement, j'aime plutôt bien, en vrai. Je trouve ça assez intéressant, en fait. Parce qu'il y a quand même une mélodie de fond derrière, alors du coup, ça passe, quoi. Ça reste expérimental, et ça reste un peu dépouillé,
Mais tu vois ce qu'ils ont voulu essayer de faire et tu comprends bien le délire cowboy du turfu en fait. Et ça, j'aime plutôt bien. Il y a des beaux mouvements caméra quand même. Hein. Je suis peut-être. Je crois qu'il, y a, qu'il manque un peu de scène en vrai. Parce que on la voit beaucoup cette scène-là, là, de danse. Et c'est vrai que ça fait un peu peu quoi. Mais bon, la SM elle a toujours été flemmarde avec ses groupes masculins. Ok. J'aime bien le petit côté un peu casino aussi. C'est sympa. Genre, ça, en fait, c'est un peu des cowboys de Las Vegas. Je pense que ça résumerait bien le truc. Cette scène-là, elle est sympa, hein. Y a rien, mais elle est très bien filmée et la lumière est très bien utilisée. 3054 ? C'est passé trop vite. Si t'as bien mon travail en tant que créateur de contenu, tu peux me faire un don via YouTube. Tu peux essayer de voir les designs que je réalise moi-même sur Redbubble. Tu peux aussi commenter, liker, partager cette vidéo. Et tout ça, c'est gratuit. Merci à toi. Bon, pour parler de sticker de NCT 127, j'ai bien aimé. J'ai globalement tout aimé. Il y avait une espèce de partie musicale que j'ai pas trop aimé quand même dans la chanson, qui est l'espèce de pré-chorus. Je trouve qu'elle est pas... Je sais pas, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Et voilà, j'aurais changé, j'aurais fait autre chose. Ou j'aurais pas fait ça. Mais je trouve que ça enlève un peu parce qu'en fait, ce que j'aime bien en fait avec ce MV, avec cette chanson, c'est que ça te met dans une ambiance. Genre t'as vraiment une ambiance, cette ambiance un peu décadente de Las Vegas slash des cowboys à Las Vegas, quoi. Et j'aime bien l'idée, je trouve que... Ça, en fait, les petits bruits qui sont un peu séparés les uns des autres, ça me fait un peu penser aux pièces qui tombent quand t'es au casino et que tu joues. En fait, il y a une espèce de... On dirait qu'on s'est vraiment inspiré des casinos et de Las Vegas et du côté un peu... c'est chargé, mais c'est vide en même temps. Et en fait, on a les décors qui sont très chargés, les couleurs qui sont très chargées, et puis la musique qui est minimaliste. Et moi, ça me fait un peu penser à ça, parce que Las Vegas, bah, c'est un peu du vide. Parce que tu fais pas grand chose, tu perds ton argent, vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu futile et en même temps c'est caché par des fausses façades, par des faux trucs, etc. Et j'aime bien cette idée là. Et je trouve qu'on le ressent bien dans Sticker de NCT 127. Ma seule déception, c'est peut-être un petit manque de scène. Vu qu'il y avait un petit style slash un peu cowboy. J'aurais aimé qu'il y ait plus de trucs avec des cowboys, genre ça aurait été trop stylé tout simplement qu'ils fassent du rodéo sur une espèce de pas, peut-être pas un taureau mais un cheval mécanique, mais 100% mécanique quoi. Genre qu'ils fassent un peu futuriste etc pour vraiment, ou alors qu'ils fassent un peu fluo avec des couleurs un peu folles et tout. Enfin des choses comme ça, des éléments comme ça, parce que je m'attendais vraiment à avoir plus de références à l'équitation par exemple, ou je sais pas, un bar, parce que bon par exemple dans les films de cowboys on les voit souvent dans des bars etc, il y a souvent des dans les saloons quoi, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est peut-être ce qui manque un peu, c'est que j'ai l'impression que la SM s'est dit oh c'est bon, on a fait ce qu'il fallait, c'était suffisant, alors que ben tu peux toujours faire un peu plus, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'en plus quand ils font des scènes un peu différentes comme celle où espèce de vendeur de chaussures en fait, bah elle est grave cool cette scène, elle est super belle, elle est super intéressante, il y a une espèce de petit chien qui apparaît là, c'est trop bien. Et je me dis bon, ça aurait été cool qu'il y ait ça mais plusieurs fois finalement. Bref, voilà, c'est ma seule critique que j'ai par rapport à MV, c'est que j'aurais aimé qu'il y ait plus de variations dans les scènes, que ce soit plus varié. Sinon, la chanson, j'aime plutôt bien. Alors, soyons honnêtes, c'est pas ma chanson préférée de l'année, et ce sera pas ma chanson préférée de l'année, mais j'aime bien ce qu'elle propose, j'aime bien... Je trouve que c'est intéressant, quoi, et je trouve que c'est plutôt cool. Bon, dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez aimé ou pas ce titre, est-ce que vous le trouvez spécial, est-ce que vous le trouvez pas spécial du tout, qu'est-ce que vous en pensez tout simplement, est-ce que vous adhérez à ce genre de son ou pas, tout ça, bien sûr, c'est dans les commentaires si tu as aimé cette vidéo, si tu n'as pas aimé cette vidéo, si tu trouves que j'ai dit de la merde, ou si juste t'es vénère dans ta vie, je suppose que tu vas m'écrire un commentaire, par contre, je te promets pas de le lire, parce que tu devines bien pourquoi. Et sinon, tu peux sur les réseaux sociaux, t'as YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch, bref, à peu près partout, Discord. Tu me sais si t'en as envie, uniquement si t'en as envie, mais si tu es abonné, bienvenue à toi sur cette chaîne, c'est trop cool. Et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos réactions. Bye 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 bye. Agnon.